Pour l'instant, ça va. Là, un peu le calme avant la grande tempête qui s'annonce avec des vagues de plus de 10 mètres, si j'ai bien compris, des vents à 55 nœuds. Comment tu te prépares à cela? Ah, c'est toujours difficile. Bon, là, j'ai pris, pas complètement finalisé, mais a priori, la décision de partir vers très nord, vers des trois passes. Si on le voit sur les cartes, tu as décidé plutôt de partir vers le nord. Ce qui est intéressant, c'est qu'Elias lui a visiblement fait le choix contraire. Donc, alors un peu un match dans le match, sur la stratégie. Ouais, c'est pas évident, hein, du tout, comme décision. Savoir ce qu'il faut faire là dans ces conditions. Bon, la sécurité prime de toute façon. Moi, j'essaie d'éviter un peu les zones de vent les plus fortes par ma route. Bon, j'espère que ça va pas être pour la catastrophe. J'imagine que tu prépares le bateau aussi à ces conditions très rudes. Ouais, bah le bateau, c'est de faire que tout soit à peu près propre, prêt à affronter une mer difficile, à attacher. Bon, mais là, la route est froide, elle va être un... Vous allez voir des moments clés qui vont être un peu chauds, mais sinon, normalement, ça devrait être une route plus cool, entre guillemets.